Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Moi ça va très très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau haul. Alors un haul qui sera un tout petit haul de chez La Forfouille. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de haul, etc. Et là j'avais besoin de petites choses, donc je vais vous montrer ce que j'ai en fonction de mon ticket. Alors. Alors, donc, ça, mon liquide, Lotus, c'est 1,99€, donc j'en ai pris deux. Donc j'en ai pris deux, j'en ai pris un à la noix de coco, donc celui-ci, voilà, c'est des 250 ml. Donc j'ai pris un noix de coco qui sont extrêmement bons, et un, je viens de le lire. Et un lotus. J'ai pris une noix de coco lotus. Ça c'est pour se laver les mains. C'est en 250 ml. Donc c'est marqué. C'est à rincer. Par contre. Donc c'est bien hein, pour se laver les mains. Parce que mon copain a essayé dans le magasin. Et il a dit effectivement. C'est à rincer. Donc en fait. Donc là il y a noix de coco, amande. Donc ça c'est vraiment pour se laver les mains parce que c'est marqué lavage de main. Donc là c'est noix de coco et amande. Du coup, et là c'est c'est lotus et l'eau de riz. Voilà, deux comme ça, en pression comme ça. Donc je pense que je testerai celui-là d'abord. Bon bah je vais pouvoir vous le faire, enfin le sentir parce que du coup l'autre j'avais senti, mais lui on l'avait pas senti. Oh oui ça va, ça sent plutôt bon. Là je vais pouvoir sentir l'autre parce qu'en fait le truc c'est pas déclenché. C'est des 250 ml, alors je me suis dit je vais prendre ceux-là parce que vous les aviez jamais vus en vidéo. Et surtout en produit terminé, vous ne les avez jamais vus. En produit terminé je me suis dit ça pouvait être pas mal pour 1,99€. Je me suis dit que c'était pas très très cher, donc voilà, en plus c'est des 250 ml, sachant que moi, un savon comme ça, liquide, il n'y a que moi et mon copain aussi qui utilisent les savons liquides, sinon mon papa et là en ce moment de la famille, ils utilisent que des savons solubles, donc voilà. Donc voilà pour ces deux trucs là, ensuite on a, j'ai pris plutôt à... donc le sac était à 15 centimes... Ensuite, j'ai pris un gel douche Tahiti de 250 ml à 1,80€. Donc, ça va, c'est pas excessivement cher non plus. Donc, j'ai pris celui-là. En fait, c'est un nouveau que j'ai jamais vu. Rêver sous le soleil des tropiques. Parfum orchidée passion. Trône ondeur de tropique zone. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un gel douche Tahiti. C'est une nouvelle senteur. J'ai vu le devant, j'ai dit mince, je ne connais pas. Et en fait, ça sent super bon. Voilà. Je crois que ça sent même un qu'on connaît déjà. Mais lequel, je ne sais pas trop. C'est des 250 ml. Donc j'en ai pris qu'un. J'ai été raisonnable, j'en ai pris qu'un seul. Parce qu'en fait, au départ, on avait qu'un truc. Et vu que je payais en carte, j'ai dit on va peut-être prendre autre chose. Et du coup, ben, j'ai vu ces deux petits trucs-là. Parce que de base, il me fallait aussi... De quoi nous laver les mains parce qu'il n'y en avait plus. Donc j'en ai pris deux du coup vu que c'était deux senteurs différentes. Et après on a vu le Tahiti, on a dit hop bah pourquoi pas prendre ça. Surtout que c'était une nouveauté, ça sent super bon en plus. Même mon copain aimait bien ce qu'il était avec moi. Même mon copain aimait bien ceci. Et ensuite pour terminer, j'ai dit combien à 2,20€, ça c'était le plus cher. C'est des petits bâtonnets comme ceci. Donc vous voyez, il y en a à l'intérieur, il y en a 200 bâtonnets. Donc je vais l'ouvrir. Il y a 200 petits bâtonnets à l'intérieur. Donc c'est des bâtonnets comme ceci, des tout petits bâtonnets. Donc vous voyez, ça c'est dans le truc scrap, dessin, etc. Donc voilà, j'ai fait ce que je voulais pas faire, mais bon, c'est pas grave, on a une partie. Vous savez, c'est des tout petits bâtonnets comme ceci. Et en fait, ce serait pour mettre, vous savez, toutes mes crèmes, etc.
pour récupérer les crèmes et les mettre dans les petits pots que je vous avais montré, les petits pots pour mettre mes crèmes pour vous faire tester, donc dans mes petits pots d'échantillons quoi, et c'est pour pouvoir mettre les crèmes dedans. Donc du coup j'ai vu qu'il y en avait pas mal. Là il y en a 200 je crois, si je me souviens bien, ouais, il y en a 200. Donc c'est des 5,5 fois 0,5 fois 0,02 cm en taille. Donc voilà, je vous donne la taille pour ceux que ça intéresse pour faire du scrap ou autre. Je suis désolée si vous entendez ma tante, elle parle en gueulant. Donc voilà pour ces bâtonnets là. Donc là il y en a plutôt pas mal. Du coup le truc est pas très pratique parce que du coup ça a tout enlevé. Donc voilà, donc il y en a plutôt pas mal. Donc il y a tout ça dans un petit paquet comme ceci. Il y a 4 paquets, donc ça en fait, hein. Il doit y en avoir 50 dans chaque petit paquet vu qu'il y en a 200. Voilà, donc ça fait vraiment comme ça, il y en a vraiment pas mal. Donc voilà, donc en fait c'est pour utiliser, puis bah, à chaque utilisation, les mettre à... Bref, en fait j'en ai un comme ça, et en fait à chaque utilisation, en fait, je prenais un mouchoir et j'enlevais en fait. Enfin, je nettoyais, vous voyez. Mais du coup, niveau hygiène, ça sera mieux d'avoir... mince, j'en fais tomber. Ça sera mieux d'avoir des petits bâtonnets comme ceci que un seul bâtonnet pour tous les produits, quoi. Donc ça sera beaucoup mieux pour ça. Voilà, je vais essayer de les remettre dedans. J'en ai fait tomber deux, je les ramasse. Vous voyez ma truffe en gros plan, c'est pas grave. Donc voilà, donc ça je vais laisser ça là. Je vais mettre ça dans mon coin là-bas, où c'est vraiment mon coin joli moi, etc. Donc voilà, donc là ça a été vraiment un tout petit haul. Bon, j'espère que ça vous aura quand même plu, hein, même si j'ai que 4 choses à vous montrer. Donc j'espère que la vidéo La Foire Fouille vous aura plu. N'hésitez pas à mettre les petits commentaires, les pouces bleus et surtout à vous abonner à la chaîne et je réponds à toutes vos questions. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos si vous voulez que je fasse certaines vidéos sur YouTube. N'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, donc j'espère que vous, enfin que ça vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Et surtout, il y a encore un peu de soleil, donc profitez bien du soleil.